La Chambre de commerce de Libreville a servi de cadre à un point de presse initié par le ministre du Commerce, Gabriel Ntshango. Objectif, présenter l'AGOA, qui est une initiative de politique économique et commerciale du gouvernement américain, dont notre pays assure la présidence du groupe africain. Compte rendu, Gabriel de Guélin-Lemamy, Jean-Pierre Moussouami. Ce point de presse fait suite aux travaux du 13e forum ministériel de l'AGOA organisé par les autorités américaines. Travaux qui ont vu la participation des experts du commerce et des ministres africains du commerce. Ce 13e forum ministériel de l'AGOA aurait permis de dégager et d'adopter une position commune des pays africains sur les enjeux et perspectives des relations commerciales entre l'Afrique et les États-Unis. C'est précisément une offre commerciale préférentielle au profit des pays africains, consacrée par une loi votée au Parlement américain, l'AGOA permet 0 le droit de douane, un ensemble de produits originaires d'Afrique à la conquête du marché américain. Toutefois, depuis la mise en place de cet instrument de développement, aucun résultat n'a été produit, malgré multiples opportunités. Cependant, depuis sa mise en œuvre, il y a 15 ans, cet instrument de développement n'a pas produit les résultats escomptés, malgré les multiples opportunités qu'il offre. Ce constat a interpellé l'ensemble des pays africains lors du 13e forum ministériel de l'AGOA, tenu à Washington, D.C., le 4 août 2014, au siège de la Banque mondiale. Notre pays, assurant la présidence du groupe africain de l'AGOA, il y a pris une part très active. Ces assises tenues après 15 ans d'exercice de l'AGOA ont permis de faire un état des lieux des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique, de se fixer de nouveaux objectifs et de mise en œuvre de partenariats et ouvrir des perspectives d'une profonde réforme des dispositions de l'AGOA qui tiennent compte des aspirations des États africains, de leurs contraintes de développement pour tirer le meilleur profit de cet instrument de croissance et de promotion économique pour l'Afrique. Un comité national d'organisation sera mis en place avant la fin du mois de décembre de l'année en cours pour la préparation du 14e forum sur l'AGOA au Gabon.